Je bois du noir comme de l'eau. Et je tire sur mes pensées comme sur du ficello. En plus, j'ai pas fait de l'amour depuis 33 jours, alors ma tête me joue des 33 tours. C'est le Big Bang dans le think tank. Malgré tous les savoirs que nous thésaurisons, on ne voit pas encore tous tes horizons. J'essaie de me positronner là où la physique m'attend, juste là où je égale M ses yeux, ou du moins quelque part entre les deux. Là, là, je m'engouffre dans l'espace-temps. Je t'avais prévenu, dit ma mère dans le miroir. Ne mets pas tes doigts dans les trous noirs. Bien fait pour moi, je me suis fait avoir par toutes ces pensées d'Héraclite qui viennent et périclite. Je roule comme une boule de poils sous mon lit, parmi la poussière d'étoiles. Ça prendrait un sacré ménage sémantique. En plus, il pleut à Sio quantique. Mais à force de patienter jusqu'à un temps T, dans l'inertie du noir catalyse, ma particulture cristallise comme du sucre glace sur une voie lactée. Je m'étire au long sur le grand espace alité et toute chose devient plus légère, plus de complexe Weight Watcher. Enfin, je fais relatif le poids de la vérité parce que finalement, tout est une question de gravité. La gravité. Elle tombe bien. Comme un coupe-poing dans le kafkaïen. La gravité, c'est ma rive sud. Tellement trop de quiétude. Je m'ennuie, mais je vois enfin les étoiles. On est bien loin de Montréal. Les galaxies s'éloignent inexorablement les unes des autres. Infiniment loin du système julicentrique qui est le nôtre. Enfin, je respire le désert en dehors de ma dimension corpusculaire. Je garde la tête dans les plumes d'oie, mais quelque part il y a le Big Bang et je suis plus là. J'ai succombé à la douce étreinte de la relativité restreinte. Demain matin, dans 13,7 milliards d'années, je retournerai sur Terre avec un arrière-goût de Stabat Matière. Merci Julie, alias Madame Cluse. Julie est scientifique de profession. C'est ce qui fait que tout ce qui est dans cette texte, c'est de la science. Merci Julie. On l'applaudit un peu, pas, mesdames et messieurs. Et je précise qu'elle est aussi organisatrice de soirées de poésie et de slam. Julie, c'est le premier mercredi. J'ai mon acolyte qui est là, qui sait mieux que moi. C'est le deuxième mercredi du mois et c'est la prochaine, c'est en février. En février. Le 13 février. Le 13 février, où l'adresse? Au passage. Au passage, c'est sur. C'est sur Rachel. Rachel. Pas loin du parc La Montagne. Ok. En face de la banquise. Voilà, il faut qu'on en parle, on fait la pub et puis. C'est un micro ouvert, c'est que les gens viennent. Ouais, un micro ouvert. Afro. Merci Julie. Merci, n'hésitez pas si vous avez le temps, le 13 février, allez-y. Elle a de très bons invités, j'étais déjà passé par là. Micro ouvert à propos, en mars, le 21 mars, c'est la journée mondiale de poésie. Donc ici, à Vivement Poésie, on aura une soirée spéciale pour la journée mondiale de poésie. Il y aura aussi micro ouvert. Sinon, je ne fais pas de micro ouvert, c'est les invités qui ont droit au micro. Donc, mais le 21 mars de chaque année, c'est la journée mondiale de poésie, pour ceux qui ne le savent pas. Parmi vous, s'il y a des gens qui écrivent le soir avant de s'endormir, si vous avez envie de prendre le micro devant des gens pour lire, le 21 mars, voilà, soyez ici. Tout le monde peut lire. On va terminer en beauté en musique. Pascal, tu... Non, tu... Non, non, non. On va terminer en beauté en musique avec une dame, Isabelle Provost, qui a démarré Vivement Poésie avec nous. Mais à un moment donné, elle nous a lâché, puis elle est revenue en chanson. Elle va faire de la capella ce soir. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Isabelle Provost. De la capella, là, ici. Alors, Fulgence était vraiment intriguée de m'entendre chanter a capella. Alors, c'est ce soir l'expérience. Exceptionnellement, pour l'occasion, je vais chanter deux chansons de Michel Comte,
La première, c'est un beau poème d'amour que vous connaissez sûrement, « Les moulins de mon cœur ». Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme des chevaux de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, qui sait ce que tu m'as dit? Mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambour qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Merci. Donc, la deuxième chanson aussi de Michel Comte. Ça parle de tous les compromis qu'une femme peut faire, mais pas n'importe lequel. Tout, mais pas ça. Je te donnerais la lune si tu le voulais, mais comme il n'y en a qu'une, ce serait compliqué. Je te donnerais mon cœur si tu le demandais, mais comme je n'en ai qu'un, ce serait trop risqué. Je te donnerais ma fortune si tu le voulais, je n'ai de fortune aucune, il faut me pardonner. Je te donnerais mon âme si tu l'exigeais, mais mon âme est chez le diable et j'aime mieux lui laisser. Je te donnerais mes mains, mais des mains c'est précieux, et pour faire certains trucs, si t'en as, c'est bien mieux. Je te donnerais mes yeux, mais sans mes yeux, n'est-ce pas, je ne pourrais plus te voir, et ça, je ne le peux pas. La plus belle fille de Paris ne donne que ce qu'elle a, c'est du moins ce que l'on dit, moi ça ne me dérange pas. Tout ce que j'ai, tu peux l'avoir aussi, il suffit que tu en aies envie, tu peux plonger en plein dans ma vie. Je t'attendrai toujours avec un sourire, et pour te faire plaisir, je te donnerai ma bouche. Mais qu'est-ce que tu ferais de deux bouches qui se touchent, ça t'embarrasserait. Je te donnerai mon nez, mais il n'est pas très beau, et d'ailleurs tu n'es pas fait pour jouer Cyrano. Je te donnerai mon ego, mais il faut deux égos pour faire un bon duo. Toi, tu jouerais l'alto, moi, je tiendrai piano, mais tu joues tout, tout haut, et moi, je joue trop tôt, et d'ailleurs, tu joues faux. Alors, tu vois qu'il faudrait pas s'imaginer que je vais tout donner. Il y a une chose en tous les cas que je ne donnerai pas, car ce que tu veux de moi, c'est simplement l'amour, et ça ne m'intéresse pas si ça doit durer toujours.
Tu peux tout avoir de moi, oui, vraiment, tout mais pas ça. Tu peux tout avoir de moi, oui, vraiment, tout mais pas ça. Tu peux tout avoir de moi, oui, vraiment, tout mais pas ça. Merci. Isabelle Frogon, merci beaucoup pour ce premier a cappella, deux chansons en même temps, merci beaucoup. Elle a toujours chanté ici avec des accompagnateurs, soit au piano, soit au violon, mais pour la première fois. Elle nous fait un truc, vraiment, merci. On applaudit encore une fois, mesdames et messieurs. Alors, on terminait derrière le piano avec Sophie Drouin, qui a fait la lecture des textes de Sylvain Girard. Sophie, tu te positionnes, s'il te plaît. Alors voilà, donc d'habitude, il y a un petit lutrin ici, avec des feuilles. C'est très confortable. Puis je me suis fait chicaner une fois par Jamil. Puis il m'a dit, non, Sophie, il faut chanter par cœur. Alors, le premier texte, la première chanson est une chanson qui m'a été offerte, Paroles et musique, d'un auteur, compositeur, interprète qui s'appelle Victor Frappe. Funambule. Et le deuxième texte, c'est un texte qui m'a été donné, sur lequel j'ai mis de la musique, de Pierre Schneider. Il s'appelle Le berceau de mon cœur. Danser sur des soleils noirs.
devoir affronter son destin. Moi j'ai tant rêvé ma vie, tendue dans mes longueurs, que mes étoiles ont pâli dans le berceau de mon cœur. Quand tu dis que tu m'aimes, tu n'es jamais. Je me tue à te boire, rejet et vin jusqu'à la lit. Sur les étoiles et sur la lune, j'écris en lettres de pluie. Mes doutes et mon amertume, mon amour et ma folie. Holy, 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 holy.